Et elle est là. Et elle me dit, oh, vous en faites une tête d'enterrement. Attendez, vous me passeriez le sel, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. On attend quelqu'un? Il est où ce con? Je vous demande pardon. Il est où ce con? Madame, vous pouvez pas venir. Madame! Il est où ce con? Attends. Agnès! Espèce de con! Je pensais que tu arriverais plus tard. Plus tard? C'est toi qui dis ça? Tu t'es tiré une balle, espèce de connard! Calme-toi, oui. Je pense que le voyage a été éprouvant, visiblement. Pas du tout. C'était mortel. Je te garde ton assiette au chaud près du poêle. Ah oui, s'il te plaît, merci beaucoup. Pourquoi? C'est étrange de te voir. Pourquoi? La vie m'était devenue insupportable. Quoi? Trois jours avant que j'accouche! C'est un garçon. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Dis-moi que c'est un garçon. C'est une fille. Ah. Mais décidément, j'aurais tout raté. Bon, mais toi, qu'est-ce qui t'est arrivé, pardon? Dis-moi la vérité, bordel! Comme tu voudras, je suis content de te voir. Puis tu nous manques un partenaire de bridge, alors tu vois... Mais arrête avec tes politesses! Qu'est-ce qui t'a pris? Je suis tombé amoureux. Je le savais. Je le sentais. Espèce de sale. Mais Agnès, je t'en prie. Mais j'aurais préféré que tu te butes pour moi plutôt que pour une traînée. C'était qui? Ma salope de cousine? La vendeuse de tabac? Yvette. C'était Yvette, je sais, t'arrêtais pas de la relooker à chaque fois qu'elle venait coudre à la maison. Mais non, c'était pas Yvette. D'ailleurs, c'est rien de tout ça, je suis resté fidèle jusqu'au bout, moi. Menteur. C'est qui l'autre morue qui te garde ton plat au chaud? Non, mais je t'en supplie, faut que tu me crois, là. Son nom? Alice. Pute. Je t'en prie. Pute. J'ai bien le droit de jurer maintenant, non? Pute. Salope. Arrête. Trinée. Ça n'est rien de tout ça. Alice était l'une des filles les plus exquises et les plus douces. Et le plus brillante qu'il m'ait été donné de croiser dans ma vie. Je t'en remercie. Non, mais c'est à force de la fréquenter avec les affaires de mon père. C'est un accident, pardon. Mais bien sûr, un accident. Avec la queue au garde-à-vous. Mais elle est rentrée en moi. Alice me hantait de jour comme de nuit. C'était insoutenable. Tout ça sous mon nez. Alors que j'étais enceinte jusqu'aux dents. Je te prie de me pardonner. Tu peux crever. Techniquement, c'est déjà le cas. Continue. Ah, mais... Alors que le bébé est arrivé, je me suis décidé, je suis allé lui avouer mes sentiments. Et? Et. Et Alice m'a écouté. Plus calmement, elle s'est levée, elle a fait venir son père qui nous a rejoint. Et Alice lui a raconté que j'avais tenté d'abuser d'elle et qu'elle était très choquée et qu'elle voulait que son père me chasse de leur maison. Pauvre chéri. Il est tombé sur une tarée. Ça. Ah, j'étais perdu, hein. Et j'ai écrit des dizaines de lettres qui me sont toutes revenues. Je suis allé devant chez elle, l'attendre, des jours entiers. Mais elle sortait plus. Elle gardait la chambre. J'ai plus goût à rien. Toi, tu étais grosse comme tout à gémir que le bébé te faisait souffrir. Je voulais disparaître. J'ai eu honte. Tout me dégoûtait. J'y arrivais plus.
Est-ce que tu comprends? J'y arrivais plus. Alors j'ai acheté ce pistolet, oui. Pauvre con. Je te prie de me pardonner. Jamais de la vie. De la mort. Comment ça? Jamais de la mort, du coup. Connard. Bah, qu'est-ce qui t'est arrivé, toi? Une mauvaise chute. Tu t'es bien... C'est mon mari qui m'a fait ça, si tu veux tout savoir. Tu t'es remarié? Oui. J'avais besoin d'argent. Mais je comprends, hein. Qui était-il? Encore un con. Un marchand de vin. Sa petite entreprise n'allait pas fort, il préférait boire son vin plutôt que de le vendre. Je l'attendais tous les soirs. Quand il rentrait, complètement saoul, il ne me reconnaissait pas. Il se mettait à me frapper. Sûrement pour alléger sa peine. Et puis un jour, il m'a poussé. Et ma tête a heurté le coin d'un buffet. C'est solide, un buffet. C'est longtemps que tu m'avais pas appelé comme ça. Ma douce. Mon petit connard.